CHU de Nantes, les infirmières et aides-soignantes du service médecine polyvalente urgence ont reçu un mail de leur encadrant leur demandant de faire des toilettes et des soins programmés dès 4h30 du matin, suite à un manque de personnel dans la journée. Saint-Nazaire, manque de lits et de personnel, attente de plusieurs heures aux urgences. Cet été, il n'y aura que 20 médecins aux urgences. Le Mans, Pontarlier, Metz, Plan-Blanc, Chaland, 9 heures d'attente pour une prise en charge par le médecin. Paris-Bichat, service référence des AVC, fermé à 80%. À Orléans, le 28 mars, les personnels paramédicaux du service des urgences exercent leur droit de retrait suite au décès d'un patient dans un couloir. Le 7 avril, les médecins se mettent en grève. On entend parler partout d'un manque de soignants, mais jamais le fait que des milliers restent suspendus n'est évoqué.